Dans le comté de Bayeux, un incroyable jardin a vu le jour. Un lieu à tiroirs qui, comme des poupées russes, n'en finit pas de se déboîter, d'offrir encore et encore plus de surprises. Ici, 15 chambres, ou plutôt séquences, attendent le visiteur. C'est incroyable de penser qu'il y a encore 15 ans, ici, c'était des champs ouverts. C'était une grande plaine avec des chevaux. Et d'ailleurs, le premier travail a été pour moi de cloisonner les espaces pour créer des chambres, dont le premier a été le labyrinthe. Ouh, c'est la Gorgone. Ouh. Donc Frédéric, ce qui est fou, c'est que tu as fait des études de paysage. Oui. Okay. Tu as une folle envie d'avoir un jardin. Exactement. Et tu décides de commencer par un endroit hyper cloisonné. Oui, l'idée de chambre, c'est aussi de définir un périmètre dans lequel on va pouvoir raconter des choses. Donc pour moi, ça passait par la plantation de haies, puisqu'ici, nous étions dans un herbage. Et ce lapin, cette gorgone. Donc ici, en fait, tu peux voir des œuvres en fait, d'une artiste mosaïste qui sont là pour raconter des histoires et qui sont reliées en fait, à des jeux qui se passent dans le jardin, en journée et le soir. Mais ça, ce sont des choses que nous verrons peut-être à la fin de la visite. En attendant, j'aimerais bien voir comment ça se déplie. Tu vas voir, on est comme dans des jardins pop-up. Pop-up! En fait, les chambres, ça a aussi l'avantage de créer des microclimats. Exactement. Ici, j'avais envie de créer une zone où le végétal vient en contact avec toi. Tu vois des feuilles de toutes les formes, un petit peu un mélange comme dans une jungle. Là, en fait, c'est le jeune jardinier, le jeune paysagiste qui met en œuvre un peu tout ce qu'il a aimé découvrir et tout ce qu'il a appris peut-être. En fait, ici, on est dans la première genèse des jardins d'Albizia. Effectivement, qui est une récitation de tous les éléments que j'ai pu apprendre à l'école de paysage. Où je mets telle ou telle plante, est-ce que ça fonctionne ou pas, est-ce que j'en mets une ou plusieurs. Aussi de répondre à plein d'envies de jardin. Comment introduire beaucoup d'envies dans un jardin. En fait, cette phase-là, c'est l'apprentissage du jardinier qui devient jardinier. Là, tout d'un coup, tout de même, c'est une ouverture. On pousse les murs. Et on fait une grande perspective pour donner de la respiration au jardin sur 130 mètres de long. Donc là, on est vraiment dans la délectation des plantes, on s'amuse à planter. Et on sent qu'une fois qu'on aura croisé les angelots au fond du jardin, on va passer à autre chose. Oui, ici, on est à la fin de la récitation de ce qu'on a appris à l'école. Ouais. Donc j'ai, à partir d'ici, dessiné et façonné le paysage à ma façon. Ah, allons voir. Là, il y a beaucoup de graminées. Oui, tu as une allée de Miscanthus gracilimus. Et juste en dessus, là, on a vraiment le bocage qui est derrière. Il est comme posé sur un boa de graminées. Là, nous sortons d'un jardin beaucoup plus formel, graphique et sans fleurs. Oui, après l'histoire du mix border, j'avais envie de quelque chose de contemporain, de structuré. Tu vois d'ailleurs la rigueur des haies et du dessin, du tracé, qui est là pour valoriser toujours les arbres du bocage. Et d'ailleurs, pour magnifier cette histoire, nous avons une sculpture ici qui, elle, imprime la ramure. Du frêne qui est derrière. Exactement. Et là, tout à coup, une porte qui ouvre sur une palissade par-dessus laquelle on peut voir le bocage. Oui, tu vois, c'est un œil qui est réalisé en street art par un artiste local dont le travail porte à avoir un regard sur l'action de l'homme, sur le devenir de la nature. Mais elle est complètement zinzin, cette haie. En fait, l'idée, c'est que d'abord, vous accueillez des hôtes. Les hôtes viennent pour voir le jardin, mais pas seulement. Oui. En fait, tu vois ici que le végétal commence à raconter une histoire différente. On est un peu dans l'imagerie des sorcières et du magique. Donc, il faut considérer nos jardins comme un grimoire qui s'ouvre quand le soir vient et qui va proposer à nos hôtes de participer à des activités ludiques, notamment botaniques et culturelles. Donc, c'est une façon pour moi d'amener au jardin des gens qui ne seraient pas venus par le biais du jardin directement, mais qui vont découvrir que dans un jardin, on peut jouer, que dans un jardin, il y a des plantes,
Il n'est pas rare qu'on me dise « grâce à vous, j'ai envie de jardiner » ou « je m'aperçois qu'un jardin, ça fait partie de la décoration d'une maison, ça apporte du bonheur, de la joie. Un jardin, c'est vivant, en fait. » Et quand ça arrive, je suppose que tu es content. Alors, quand ça arrive, oui, c'est pour moi une récompense. Paysagiste, curieux des outils modernes, des jeux de rôle et d'évasion, Frédéric Tinard a poussé loin ses passions pour composer un jardin riche, où le visiteur va prendre le calme sous le regard d'un gorille statufié, où le joueur pourra se lancer dans une aventure originale. Mêlant le charme et le jeu, le domaine d'Albizia retrouve cette vie que d'autres jardins ont connue dans l'histoire.